Bonjour à tous et bienvenue dans le Lounge pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Alors c'est la deuxième de la journée, vous voyez, la générosité. Quand on revient, eh bien il faut savoir en faire preuve, en faire usage comme ça. Et je suis très content d'être avec vous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est, comment dirais-je, un petit peu plus touchy. J'aime pas trop l'utilisation des mots anglais en permanence dans la langue française et je fais des efforts, les amis, vraiment, je fais des efforts dans ce sens-là. Alors, quid du handicap dans le jeu vidéo? C'est vrai que c'est un sujet qu'on voit sur Twitter abordé par le biais de la problématique physique, c'est-à-dire les manettes, toutes les manettes adaptatives. On sait que Microsoft a fait de jolis efforts dans ce sens-là pour permettre à un pourcentage de joueurs dans l'incapacité de pouvoir jouer de façon, entre guillemets, normale à tout type de jeu. Et je suis plutôt ravi qu'on aille dans cette direction-là, je pense que c'est une bonne chose. Mais j'aurais aujourd'hui voulu parler de l'intérieur des jeux des héros. Parce que on est en 2021 et on parle régulièrement de la représentation des minorités. Alors, je n'aime pas trop ce terme-là, parce que dans ce mot minorité, ça veut tout et rien dire. Je vous donne un exemple. Par exemple, en France, on va avoir certaines catégories de population considérées comme des minorités qui, au regard du monde, ne sont pas des minorités. Et le jeu vidéo est quelque chose d'international. C'est un, comme je vous disais, un produit culturel où, pour certains, le considérer comme un art, ou bien deux choses différentes en fonction de comment on se positionne. Vous avez qu'à aller voir la vidéo pour en savoir un petit peu plus concernant mes opinions sur le sujet. Mais c'est toujours une question de là où on se situe et comment on observe le débat. Est-ce qu'on observe le débat les pieds à l'endroit où on se trouve, ou est-ce qu'on essaie d'observer le débat de façon beaucoup plus large? Donc, c'est pour ça que minorité ne veut pas tout dire, et de toute façon, dans minorité n'est jamais inclus les gens en condition de handicap. Jamais. Alors on va parler de la représentation des joueurs noirs, la représentation des joueurs asiatiques, la représentation des joueurs arabes, la représentation des homosexuels, des transsexuels, des femmes, qui ne sont pas minoritaires d'ailleurs, hein. Je crois qu'on est plus ou moins à parité globalement dans le monde en termes de nombre. Donc, quid des gens, des hommes, des femmes, blanc, noir, asiatique, peu importe, en situation de handicap? Est-ce que nous avons des héros qui représentent un petit peu cette problématique, entre guillemets, problématique? Je fais très attention aux mots que je choisis, parce que j'ai pas envie de me faire défoncer, mais bon, il faut bien utiliser des mots, et les mots ont le sens qui leur appartient. Mais je ne vois pas, moi, en tout cas autour de moi, très 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 rarement, je pense à un jeu comme The Last Day of June, ce personnage qui, suite à un accident, devient tétra ou paraplégique, je ne sais plus. Mais hormis ça, je n'ai pas vraiment de souvenir d'avoir joué à des jeux où il y avait une représentation de personnages en handicap. Alors moi, je vais vous parler de mon expérience, bien évidemment, dans cette vidéo, l'expérience que j'ai eue avec Enyart, l'expérience de notre personnage, Yann Northman, qui est ce petit garçon, qui est, entre guillemets, en situation de handicap. Alors, je dis bien entre guillemets parce qu'il n'est ni tétraplégique ni paraplégique, mais il est atteint d'autisme, du syndrome d'Asperger. Et donc du coup, pour un ensemble de la population, ces enfants-là sont considérés comme handicapés au regard des gens, entre guillemets, normaux. Donc, Je vous parlerai un petit peu de cette expérience-là, mais avant de rentrer dans le détail, il y a le postulat, effectivement, nous n'avons pas d'histoire, d'expérience narrative, pas plus que ça. Alors si vous en connaissez, mettez-les dans les commentaires, que je puisse aller les lire, que je puisse aller les découvrir aussi, moi ça m'intéresse toujours fortement. Et encore une fois, je ne fais pas partie du pourcentage de gens, qui est de plus en plus nombreux, hein, faut le reconnaître, à vouloir mettre de la représentation dans tout. Pour moi, il faut qu'elle ait du sens. C'est-à-dire que si vous avez une histoire qui se passe
une histoire en Afrique centrale, par exemple, vous allez suivre tout un ensemble de personnages issus justement de cette culture, de cet endroit, je vois pas ce qu'on va y foutre un Asiatique ou y foutre un blanc dedans. Comme si, par exemple, vous allez avoir une histoire, je sais pas, au fin fond de la Laponie, vous avez probabilité d'y trouver un Asiatique ou d'y trouver un Arabe. Donc il y a toujours une certaine forme de logique, il faut une logique, à mon sens, quand on crée un univers. Et je pense que c'est là où ça marche. Je pense que c'est comme ça que les choses fonctionnent, c'est quand le joueur est cerné par une logique naturelle, et je pense que c'est important. Moi je suis pour une représentation de toutes les cultures, de toutes les différences, mais quand elles arborent justement leur logique. Par exemple, il y avait ce jeu que j'ai trouvé génial, Raji, qui est un jeu indépendant qui est sorti sur les consoles actuelles. Voilà, on sent que c'est des gens dont c'est leur culture, ils l'ont fait transpirer dans le jeu. Je trouve ça juste génial parce qu'il y a vraiment une vraie plongée dans l'univers. Moi, j'aime pas trop quand ça mime ou quand ça essaye de faire un peu tout et n'importe quoi et que ça marche pas au final. Alors, j'espère que je vais pas vous choquer, je fais attention aux mots que j'utilise, mais tant pis, parce que c'est un sujet, moi, qui me porte, qui me touche profondément, et c'est pour ça que je vais en venir justement avec Enyart. Alors, Enyart, quand on avait notre studio à Los Angeles, la motivation du jeu, c'est parce que j'avais écrit un pré-livre, c'était pas encore un livre à l'époque, avec un petit garçon et son meilleur compagnon, son chien, Annie, donc Yann le garçon, Annie le chien. Et en fait, ce jeune garçon est atteint depuis sa toute jeune enfance du syndrome d'Asperger. Et ben, il vit un petit peu, voilà, cloisonné, il peut pas aller dans une école traditionnelle parce que c'est compliqué. Alors, on est dans les années 90, hein, donc les choses sont un petit peu mieux maintenant aux États-Unis et surtout au Canada, mais à l'époque c'était pas aussi bien que maintenant. Les parents comprennent pas toujours forcément en fait leur enfant qui est lui dans son cocon, dans sa bulle, dans son univers. À nos yeux, il paraît handicapé, mais l'enfant ne l'est pas réellement en fait. C'est les yeux de notre société qui le jugent handicapé parce qu'il rentre pas dans les codes, dans les boîtes que cette société nous force à nous ranger dedans, en fait. Et c'est ça toute la difficulté. Et donc du coup, pour ses 9 ans, ses parents décident de lui acheter un chien, un compagnon, parce qu'il n'a pas beaucoup de copains, et puis que son père est en flic, travaille beaucoup, sa mère est aux Nations Unies, elle est pas souvent là, donc il a une babysitter Shirley qui s'occupe de lui, mais voilà, il décide de lui offrir un compagnon, un chien. Annie, ce petit chien noir, va devenir son compagnon. Et en fait, très rapidement, en fait, il se rend compte qu'il a une connexion. Ils arrivent à échanger tous les deux par une certaine forme de télépathie. Le garçon comprend le chien comme le chien comprend le garçon. Et puis, il va se suivre toute une aventure. Et donc, du coup, le protagoniste principal, qui est Yann dans cette histoire, est atteint de ce syndrome-là, et ce syndrome-là est forcément mis en avant dans la narration, dans l'histoire. C'est-à-dire, il est mis en avant de un par le fait de l'échange avec les autres personnes autour de lui, sa babysitter, les garçons qu'il va rencontrer un petit peu plus tard dans l'histoire, dans l'orphelinat. Il a forcément, il faut que ce soit logique. On peut pas te mettre juste une étiquette, t'es Asperger ou t'as une sclérose en plaques. Juste pour avoir une étiquette. Il faut bien qu'il y ait une réalité dans le comportement adaptatif de votre personnage au regard des personnages autour. Donc, il a sa façon de réagir, il a sa façon de parler. Et tout ça, moi, je me suis inspiré de quelqu'un que je connais dans mon entourage, que j'ai rencontré très 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 jeune, et qui a le même syndrome en fait. Et donc du coup, moi je voyais comment il utilisait les mots, ce qu'il faisait, donc ce personnage-là est très inspiré de lui, et va avoir comme ça, en fait on voit qu'il a une certaine forme d'isolement, les gens ne peuvent pas le comprendre. La seule personne avec qui, personne, pour animal, qui le comprend, c'est Annie, c'est son chien. Ils se comprennent parfaitement, ils anticipent tout ensemble, ils anticipent les mouvements, et puis on sent qu'il reprend un peu le goût à la vie. Voilà, il y a vraiment ça. Ça, c'était d'un point de vue narratif, bon, on pourrait en parler des heures. Le deuxième livre d'ailleurs est terminé, il arrivera en fin d'année.
Donc, pour suivre les aventures pour ceux qui ont lu le premier roman. Et pour le jeu, d'un point de vue gameplay, son autisme, entre guillemets, nous permettait d'un point de vue gameplay de lui donner certaines choses. Par exemple, il était. Je peux pas trop vous spoiler, on sait jamais. C'est jamais si le jeu sort un jour. Il avait une capacité justement à résoudre, par exemple, des énigmes, des puzzles, avec des éléments très rapidement, beaucoup plus. Facilement, de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus logique que pourrait l'être un garçon ordinaire. Et au final, on se rend compte en fait qu'il est pas ordinaire, c'est un garçon un peu super entre guillemets, super au sens voilà, il est presque même il est meilleur que nous en fait, il est meilleur que nous parce qu'il vit dans son monde et il l'accepte. Donc en fait, bon, il y a pas réellement de morale, je suis pas un moralisateur, mais il y a plutôt une poussée à accepter la différence que l'on peut avoir, parce que c'est vrai que quand on comprend pas, on a tendance à rejeter. Ce qui est humain, je jette la pierre à personne, mais justement je pense que c'est important aussi de temps en temps d'avoir ce genre de personnage dans nos jeux. Alors moi je vous raconte ça parce que j'ai eu un nombre incalculable de rendez-vous avec des éditeurs. Alors beaucoup d'éditeurs se sont pas trop n'étaient pas ultra emballés à l'idée que le garçon principal soit atteint d'un syndrome d'Asperger et d'autisme. Certains ont même refusé de le changer. Et quelques-uns, soit ça ne leur posait pas de problème, ils n'ont même pas relevé, soit quelques-uns étaient même plutôt pour, en fait, plutôt en faveur, de se dire que c'est une bonne idée. Je pense que c'est bien de mettre des personnages totalement inattendus sur le devant de la scène à travers une nouvelle aventure, mais je peux vous dire que ça a été un vrai chemin de croix en fait. Et on se rend compte, nous on s'est rendu compte aussi que ça a posé beaucoup de problèmes pour faire financer le jeu, parce que la représentation du joueur ou joueuse à travers le prisme de ce garçon se passait par ce syndrome là, et forcément beaucoup d'éditeurs se sont dit mais ça peut pas vendre, ça vendra, vous comprenez le truc, forcément il y a une question de business pour eux, ça peut pas vendre, c'est risqué, on est dans un moment où on est quand même dans une représentation je dirais ultra masculine, même du modèle féminin, c'est-à-dire que même les femmes sont masculines depuis quelques années, alors qu'avant elles étaient très féminines, aujourd'hui elles sont masculines, et donc du coup ce petit garçon c'était plus difficile à vendre, à marketer, j'imagine pour eux. Moi je savais comment avec l'équipe on aurait pu en parler, je suis désolé, j'ai attrapé un peu la crève avec la clim, et donc du coup je sais pas trop, mais on est resté assez stupéfait. Moi je pensais vraiment en toute honnêteté que ça aurait, genre, apprécié. Et puis Fischer s'est dit, tiens, c'est cool, c'est différent. Mais en fait, non, t'es vite rattrapé par l'aspect business et la non-volonté d'avoir aussi ce genre de personnage. Alors, je mets pas tous les éditeurs dans le même panier. Il y en a certains avec qui j'ai toujours des relations, comme je disais, qui trouvaient ça vraiment bien. Mais peut-être qu'on avait fait une erreur de diagnostic, nous, et peut-être qu'on aurait dû aller discuter avec les joueurs, en fait. Peut-être que les joueurs, moi je vois toutes les joueurs plus avec une plus ouvert d'esprit que ce que croient les éditeurs des joueurs. Je sais pas si vous me suivez. Les éditeurs pensent que les joueurs sont comme ça, alors que la réalité, les joueurs sont plutôt comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plus d'expansion, il y a plus de goût, il y a plus de recherche dans la réalité que dans l'idée préconçue des éditeurs au regard des joueurs. Encore une fois, ça dépend de ce que vous vendez. C'est une évidence. Et puis donc ça, c'était un des premiers points. C'était, on parlait du handicap, mais cette vidéo, elle a aussi pour but de parler du deuxième personnage. Le personnage qui est Annie, ce chien. Et j'avais poussé aussi à essayer de mettre en avant la condition animale par l'environnement, la problématique environnementale. Et c'est vrai que les Seasons of Heaven au cœur de son histoire, la problématique environnementale. C'est-à-dire qu'on parle de nature. Alors, c'est pas dans une forme politique, hein, c'est même pas spécialement engagé. Je vous ai déjà dit que j'étais pas spécialement pour trop d'engagement dans un jeu. Je pense qu'il faut que ce soit fait intelligemment, surtout pas au chausse-pied, de façon subtile. Qu'on découvre l'amour
des sujets, des créateurs. Quand on est joueur, c'est une très bonne chose, mais quand on, si on vous martèle, on tape sur la tête, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, je pense que c'est pas bon. Je pense que beaucoup de lecteurs du livre ont compris ça. Alors il y a toujours une minorité qui a cru que moi j'étais un ultra-écolo, machin et compagnie. Je ne suis pas spécialement écolo, j'essaie de faire prendre ma part de responsabilité, mais je ne suis pas... Je suis pas un messie, hein, loin de là. J'essaye, mais avec plein d'erreurs, plein de conneries, parce qu'il y a des choses qu'on te dit un jour c'est ça, il faut faire ci, puis le lendemain en fait c'était faux, c'était ça. Donc c'est très très compliqué. Donc il y avait vraiment cette volonté aussi, et c'est vrai que le jeu manque un petit peu, le jeu vidéo aussi manque un petit peu de messages. Comme je vous dis, pas forcément d'engagement, mais de messages, de faire passer des messages sur la planète, sur la condition animale. Et c'est vrai que par exemple, je souhaitais moi. C'était un de mes désirs profonds, c'était que notamment la SPA ou The Adoption Dog, c'est une énorme organisation aux États-Unis. Je voulais faire un truc avec eux autour du jeu pour en fait forcer les gens à adopter plutôt qu'acheter. Parce que moi par exemple, j'ai acheté mes bulldogs, je les aime, hein, mais j'ai perdu ma Annie qui est dans le jeu, c'était en 2013. Et j'ai perdu ma Leia l'année dernière, il me reste Bibi, mais ça vous fera peut-être rire, mais il me reste Bibi qui est là. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de millions de chiens, de chats, malheureux, abandonnés, qu'on soit touché ou pas par la cause, je veux dire, ça va au-delà, ça reste la vie. Et je pense qu'il n'y a pas de distinction, la vie c'est la vie. Alors oui, il y a des gens qui te diront, oui mais moi je préfère les causes de trucs, oui mais tu préfères. On s'en fout de ce que tu préfères, comme moi on s'en fout de ce que je préfère. Mais en fait, toutes les causes sont nobles et sont justes, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence. Je pense que je ne me ferai pas des gens qui sont d'accord avec moi, qui te diront que les enfants qui crèvent à tel endroit, c'est pire que les millions de chiens qui sont brûlés. Dans l'absolu, pour moi, la vie est la vie. Alors oui, il y a des priorités, bien évidemment, on sera plus touché par tous ces enfants, c'est indéniable. Mais ça ne veut pas dire que si on s'occupe des chiens, on délaisse les enfants. Non, on peut s'occuper des deux, ensemble, travaillons ensemble au lieu de s'opposer. Bon, on va pas faire de philosophie ou de politique, ça sert à rien. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, dans cet univers, c'était aussi des volontés. Et c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup dans le jeu, même s'il y a des jolies choses. Il y a par exemple ce jeu sous-marin. Qui est sorti l'année dernière, qu'on attend toujours sur Nintendo Switch, qui est sorti sur toutes les consoles. Vous me mettrez dans les commentaires, j'ai un trou de mémoire, je le mange à chaque fois. Beyond Blue, voilà, Beyond Blue, qui met en avant la faune et la flore sous-marine. Et je trouve ça génial, je trouve ça vraiment génial. Tu fais ça avec tes gamins, avec ta femme, avec ton pote, peu importe. Et tu découvres comme ça des espèces réelles. Le jeu s'est attaché à Ocean. Ocean Exploration, je me souviens plus du nom complet de l'association marine américaine. Il y a un travail de collaboration, il y a vraiment un truc génial, je trouve c'est génial. Et je dis juste que ces jeux-là, il n'y en a pas assez. Il y en a très très peu en fait, il y en a juste vraiment très 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 peu. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir comme ça un peu plus de ces jeux-là, mais est-ce que c'est vous les joueurs qui allez décider? Et je l'espère, hein, je l'espère vraiment, c'est pour ça que j'espère que cette vidéo, bah, vous pourrez la partager un maximum sur les forums, sur les blogs, il y a jeuxvideo.com, il y a Gameblog, comment ça s'appelle, il y a Gamekio, il y a plein de trucs partagés sur Twitter, la partager. Parce que je pense que c'est important que ces sujets-là soient, que les joueurs s'emparent de ces sujets-là, parce que vous savez qu'en fait on vieillit, et si vous regardez bien, c'est des maths, je suis pas très fort en maths, mais c'est des maths. On était un certain pourcentage de joueurs de ma génération, la vôtre, la génération 80, à jouer aux jeux vidéo il y a 25 ou 30 ans. Et en fait, on a diminué, on n'a pas grossi, hein. On a diminué. Pas beaucoup, peut-être, on a diminué. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de jouer, hein. C'est parti à autre chose. Diminué, puis après il y a eu des petits rebonds, des redescentes, en fonction des moments, la Wii, la PS4, la Nintendo Switch, les gros moments, les gros temps forts, qui rappellent de temps en temps des joueurs, mais ça reste des petits phénomènes. Et puis à côté de ça, en parallèle, le jeu vidéo s'est élargi avec tous les free-to-play, avec le mobile, avec la DS et la Wii, bien évidemment. Et ces joueurs-là, eux, sont encore jeunes aujourd'hui, probablement peu intéressés, ou peut-être pas encore
mature, de façon intellectuellement prêt à pousser les jeux qu'on évoque ensemble. Et donc du coup, nous, en rétrécissant, on a un certain âge, nous on est peut-être un petit peu plus posé, un petit peu plus adulte, et je pense que l'initiative doit venir de nous. Il faut, je ne crois pas qu'il faut toujours attendre des jeunes. Les jeunes, ils ont aussi un moment pour vivre sans se préoccuper. Ça fait partie de la vie. Sans se préoccuper, il faut qu'ils vivent. Mais c'est nous, les anciens, qui devons prendre aussi une part de responsabilité. Si on veut que tout ça change, si on veut que ça s'améliore, eh bien, il faut y aller. C'est à nous d'enclencher des conversations et de se dire, bah tiens, on soutiendrait ce truc-là, on voudrait plus ce jeu-là, ça, ces jeux-là, on en a marre, on les achète plus. C'est l'acte d'achat qui, comme dit certains youtubeurs, c'est vraiment quelque chose de très important, l'acte d'achat. Donc, et j'en dis ce qu'on vient nullement, mais à mon sens, voilà, j'aimerais peut-être un petit peu plus de représentation de nos héros, de nos héroïnes, à travers le prisme de certaines choses, de gens dans des situations très difficiles, de handicap. Je pense qu'il y a des très jolies histoires à écrire, avec du gameplay. Je ne peux pas vous révéler tout ce que nous on voulait faire avec Seasons of Heaven, mais on peut faire des jolies choses. Ce handicap peut devenir une force, et moi je pense que c'est important. C'est important parce que c'est vraiment, pour le coup, entre guillemets, une minorité qu'on n'aborde jamais, et elle est tout aussi intéressante que d'autres. Je pense que c'est important. Et pour ceux, encore une fois, qui pensent qu'il y a des arrière-pensées politiques, je vous invite à lire Les Saisons du Paradis, vous verrez que c'est quelque chose de très multiculturel, c'est quelque chose de très nature, pas idéologique du tout, vraiment. Il n'y a pas spécialement d'idéologie. Moi, je suis un fervent conservateur de l'état originel de notre planète. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à garder, de regarder de ce prisme-là, de toucher, d'observer, de protéger, sans interagir, laisser, je pense qu'il y a quelque chose de... Mais bon, c'est un autre sujet, les amis. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes d'accord et que vous avez des idées, il y a les commentaires pour cela. Il y a les pouces, bien évidemment, pour le référencement, c'est important. J'aimerais bien que cette vidéo fasse des vues, mais elle peut faire que des vues grâce à vous. Donc ça dépend de vous, si vous voulez la partager sur Facebook, sur Twitter, sur les blogs, c'est important, les blogs de Game.io, par exemple, ou jeuxvideo.com, sur les forums, sur Gameblog, ou même vous, si vous avez des chaînes YouTube, en partagez, vous pouvez récupérer les vidéos, hein, par exemple, moi je m'en fous, hein. Vous pouvez récupérer la vidéo pour en parler, récupérer des extraits si vous voulez, j'ai aucun problème avec ça, franchement je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. Donc, j'aimerais bien, parce que c'est des sujets qui moi, me touchent, je les trouve importants, et je trouve que ça serait génial, justement, si c'était un petit peu plus abordé, de façon plus courante, on sortait un petit peu de l'enfantillage, façon générale, sans juger du jeu vidéo. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce, les partages, les commentaires, et on se dit à très très vite dans le lounge. Je vous embrasse. Ciao à tous.